Bonjour à tous, vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons voir une vidéo de Microsoft Excel et surtout comment afficher des images dans le commentaire d'une cellule Excel. Parfois, on veut juste survoler une cellule et voir le commentaire, autrement dit, le contenu dans cette cellule. Je prends par exemple ici, j'ai ici une flèche de gauche à droite. Quand je passe ma souris sur la cellule, immédiatement, une image il est affiché. Comment arriver à ça? À faire ça, c'est très simple. Je clique sur la cellule, je fais clic droit, puis je passe à modifier le commentaire. C'est déjà un commentaire, on va le modifier, sinon on va le créer. Bien sûr, au début, on peut changer ça, la taille du commentaire. Donc, à vous de voir la taille convenable. Et comme ça. À gauche, horizontalement ou bien verticalement. Donc je clique sur les lignes du commentaire, je fais clic droit, puis je passe à format de commentaire. Et de format de commentaire, je déplace ici dans image. C'est pas dans image, mais dans couleur. Je passe à couleur et trait. Donc, couleur et trait, il y a ici un remplissage. Je fais un clic droit, je fais un clic gauche plutôt, je fais un clic gauche ici, puis je descends jusqu'à la dernière option qui est motif et texture. Dans motif et texture, je clique sur sélectionner une image et je localise mon image dans mon PC ou bien dans mon USB ou bien dans n'importe quel. Là où l'image existe, si je prends par exemple, elle est là. Donc je fais insérer, puis je clique sur OK, je valide. OK. Encore fois, je valide OK. Et voilà. Maintenant, je veux faire la même chose avec cette flèche-là. Tout d'abord, je fais un clic droit, effacer le commentaire. Et comme ça, on va le faire depuis le début. Donc je fais un clic droit ici, je clique sur la suite, je fais un clic droit, puis j'insère un commentaire. Un commentaire il est inséré. La zone pour créer un commentaire il est là. J'agrandis les dimensions du commentaire. Je peux même l'éloigner de la cellule. Je fais clic droit sur le contour du commentaire, faire clic droit pour avoir format de commentaire. Dans format de commentaire, je passe à couleur et trait. Ici, couleur et trait. Pour avoir le remplissage. Dans le remplissage, il y a ici couleur. On peut faire aucun couleur, mais ici, je passe à motif et texture. Je passe directement à image. Je passe à image, dans image ici, je clique sur ce bouton pour sélectionner une image. J'ouvre mon fichier qui contient les images. Je vois là l'image que je vais faire. Je fais un double-clic. Un exemple, il est déjà ici. Puis je fais OK. Je fais OK. Donc quand je survole cette cellule-là, j'ai immédiatement l'image qui est ici. Il est affiché de commentaires. C'est très pratique, par exemple, quand on a une liste des personnes, ou bien une liste du produit, ou bien n'importe quelle liste avec laquelle on veut distinguer le contenu juste avec les images. Donc ici, immédiatement, l'image il apparaît. La même chose ici. Donc merci beaucoup, abonnez-vous à cette chaîne et à très bientôt.